Comment est venue l'idée de passer d'homme à femme? Ok, d'accord. Donc, cette question-là. Les Abidjanais attendent ça. Vraiment. Donc, ils n'ont qu'à s'abonner à Abidjan News. Abonnez-vous massivement à Abidjan News. Alors, la transition est venue depuis tout petit. Depuis tout petit, hein. Voilà, moi, depuis tout petit, parce que je vous explique un truc. Moi, quand j'étais petit, je passais mes week-ends chez mes tantes et tout. Donc, mes tantes, elles étaient, quand elles me voyaient, elles disaient, mais c'est une fille, c'est une fillette. Donc, du coup, elles m'achetaient des petites robes. Et elle m'habillait, je passais toute la journée avec. Et elles avaient le mec qui passait, et le mec disait, ah mais c'est ta fille, lui, c'est ma fille. Elle dit, ah ta fille est jolie. Donc on lui remettait l'argent, souvent on me payait des pots de yaourt et tout ça. Mais bon, après en grandissant, moi j'ai oublié tout ça. Mais dans mon adolescence, souvent j'avais... En fait, quand je passe devant une boutique, que je vois une robe ou bien que je vois un vêtement, je suis attirée. Je vous dis que je suis... En fait, je ne sais pas comment, mais je suis attirée au maximum par la tique. Et souvent, ce que je fais, parce qu'on avait une boutique dans la cité où on partait généralement en fin de mois acheter des vêtements et tout. Donc, moi, quand on me donne mon paquet, je dis non, je retourne deux jeans. Et je veux deux robes. Donc c'est ce que je faisais. Mais la meuf me disait que non, mais la robe là, elle coûte moins cher que les jeans en fait. Je dis, ah bon? Bon, ok, garde ce qui est là-dessus, mais donne-moi juste les robes. Donc c'est comme ça que ça marchait. Et une fois, je suis venue, ils m'ont dit, mais les jeans qu'on t'a achetés, je dis non. Je retrouve pas les jeans, j'ai séché à la corde, je retrouvais pas. Et je passais des heures et des heures et des heures et des heures dans la douche, je portais des vêtements et tout et tout et tout. C'était ma satisfaction en fait, c'était mon essence de vie en fait. Parce que je vivais pas, je survivais. Je me disais, je vivais parce que les gens me disaient, parce que je me disais que bon, écoute, telle personne ne dira pas, oh voilà. Donc c'est ce que je faisais. Mais arrivé un moment, je me suis dit, bah écoute, ça sert à rien de vivre pour les gens. Et comment vos proches ont pris cette transition en question? Parce qu'il faut le dire, étant petite, vous avez des amis, des parents, et aujourd'hui, Daisy décide d'être femme. Comment vous, d'abord, vous avez pris cette transition côté moral, et ensuite, comment est-ce que vos proches ont pris cette transition? Ils l'ont bien pris, ils l'ont mal pris. Ok, vous savez, je suis une personne assez happy. Donc, vous savez, quand les personnes happy ont le cœur meurtri, ont le cœur blessé, après, ça devient comme, bah, on s'en fiche. Voilà, donc, vous avez des personnes qui vous aiment. Et moi, je dis toujours que quand vous dites que vous aimez quelqu'un, il faudrait que ça soit complet. C'est comme quand tu aimes quelqu'un, c'est un package que tu prends en fait. Tu ne peux pas dire non, quand dans le package, moi je prends juste ça. Non, c'est que tu laisses tout le package. C'est comme ça en fait. Si tu aimes une personne, tu l'aimes avec tous les contours. Donc, moi, je vous dirai pas non, mais il y a plein de personnes qui me. Quand j'ai commencé, pas d'abord parce que j'ai commencé à mettre des mèches et des maquillages d'abord sur Facebook, il y a des personnes qui m'ont supprimé, il y a des personnes qui ont effacé mon numéro. J'ai eu un gros souci avec la famille. Et Ah bon? oui, donc D'accord. là, ça m'a permis de écouter. Souvent aussi, vous savez, moi je dis toujours, j'ai un ami qui m'a dit, j'ai constaté, Dieu là, on dit qu'il n'aime pas, on dit qu'il maudit ça, mais il bénit parce que il y a des situations où tu vois que c'est Dieu lui-même qui a mis la situation sur ta route pour que tu échappes à certaines choses, pour que tu échappes soit à la faim, pour que tu sois soit à la soif et tout ça. Et ça m'a permis de voyager. Je suis allée dans un autre pays. D'accord. Et là-bas, j'ai connu des gens qui m'aimaient parce que en fait, je suis vrai en fait. Pas parce que je veux ressembler ou bien non, ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça. Mais quand je suis revenue, j'ai vu que les personnes qui m'avaient supprimée ont vu que bah, l'élément dans lequel il a commencé, il commence à exceller dedans. Ils ont commencé à revenir. J'ai dit non, mais écoute, don't call me back. Donc voilà. C'est ça en fait, le plus ou moins. Et D'accord. c'est des étapes qui vous permettent de pouvoir en fait
digérer la vie, surmonter la vie. D'accord. Vous savez, rien n'est éternel. Moi, je vous le dis, rien n'est éternel. Rien ne dure. Donc, si quelqu'un vous supprime de sa vie, écoutez, tout comme nous sommes sur la terre et un jour, moi, je dis toujours que ce soit aujourd'hui que tu pars ou demain, le jour que tu arrives, c'est comme la première fois que tu arrives. Tout le monde attend le jour qu'il va partir. Donc, que tu partes aujourd'hui ou demain, ça n'a rien à voir. On vous supprime ou on ne vous supprime pas de la vie. Écoute, rien ne dure. Rien ne dure, rien n'est éternel. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Vivez et voilà quoi. Alors, les gens me demandent là, comment recevez-vous les critiques négatives et moqueuses sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faut le dire, nous sommes Abidjanais. Oui. D'où la page Abidjan News. Justement. Donc, tout le monde pose la question. Voilà, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter. Mais comment vous recevez ça, les critiques négatives et moqueuses? Au départ, je me disais que ah, c'est bien, c'est mal perçu. Ah, c'est bien perçu. Mais après, je me dis, écoute, tout ça, c'est du n'importe quoi. Parce que si t'as pas le cash, personne ne te donnera. Ceux qui sont en train de dire, ah, c'est bien, c'est mauvais, c'est pas... Tout ça, c'est des... En fait, c'est du fait, quoi. Donc, tu regardes et puis tu avances. Tout ce que tu as à faire, tu le fais. Et puis, donc, voilà. Du moment que tu es à l'aise, que tu es heureux, tu digères ta vie heureusement. Écoute, c'est mieux, quoi. Parce que tu vis pour les gens. On ne dit pas si tu es ici. Non. Il faudrait vivre sa vie. Live your life. Donc, parce que personne ne viendra le faire à votre place. D'accord. Voilà. Donc, les gens veulent savoir également... Les Abidjanais, qui sont nombreux à te suivre là maintenant, savoir est-ce que c'est coûteux une transformation? Ok, d'accord. La transformation, c'est encore quelque chose d'autre. Donc, déjà, la transformation, elle est à plusieurs volets. D'accord. Et pour vous dire vrai, je pense que j'étais destinée à ça. Et moi, contrairement à tout ce que vous pensez, j'ai pas pris de produits pour être transformé. Je bois beaucoup d'eau. Je bois moins d'alcool. Je dirais pas que je fais du sport, mais il faut que je fasse du sport. Je suis naturellement féminine, on va dire. D'accord. J'ai des courbes, en fait, naturellement féminines. D'accord. J'ai la peau assez molle par rapport à la peau d'un homme. Donc, je pense que c'est une formation naturelle. Voilà, donc... Sinon, j'ai jamais pris de... Sinon, écoutez, j'ai reçu des produits américains pour une transition. Mais après, j'ai perdu les produits au cours d'un voyage. Du coup, j'ai pas pu prendre le produit et j'ai continué comme ça. Donc, j'ai pas vraiment pris de produits. Je suis... Natural, mais j'ai des coupes, voilà, donc voilà, c'est plus ou moins ça. Alors, les Abidjanais demandent encore toujours, parce que nous sommes là pour les Abidjanais, il faut le dire, d'où on va les inciter. C'est un grand déballage, hein. C'est un grand, grand déballage sur Abidjan News, donc abonnez-vous. Alors, votre modèle d'homme, aujourd'hui vous êtes une femme. Oui. Vous avez forcément un modèle d'homme, peut-être. Je comprends pas. Vous avez un modèle d'homme qui vous plairait bien. Ah, d'accord. Votre genre de mec. Ah, d'accord. Bon, je vais pas vous mentir. Moi, je suis plus à... Parce que, bon, écoutez, vous pouvez dire, bon, écoute, moi, j'aime les tablettes de chocolat, j'aime ceci, j'aime les bodybuilders, j'aime un mec qui met du parfum, qui fait soit un mètre. Mais écoutez, quelqu'un qui vous mérite n'a pas besoin d'avoir tout ça. Parce que quelqu'un qui vous dit, ah, écoute, oui, ce que tu as porté vraiment, quelqu'un qui vous dit même pas que, ah, ce que tu as porté, c'est joli, mais est-ce que tu rajoutes pas, I don't know. So, moi, je dis toujours que, et oubliez ce que vous recherchez, ce que vous voulez, pour ce que vous méritez, parce que souvent on regarde plus ce que j'aime, oui, j'aime les personnes musclées avec un peu de... Non, vous n'avez pas de genre? J'avais un genre,
Et mais votre genre que vous non, aviez mais, dans non, ce mais, temps, non, c'était... Mais, non, mais moi, je retourne pas à la brousse, en fait. D'accord, c'est-à-dire d'accord. C'est le chien qui le fait. Et moi, je ne refais pas ça. Voilà, quand tu passes une étape, écoute, c'est facile. Donc, je suis plus attrayée par la qualité, c'est-à-dire que le maïs, c'est-à-dire que ce qui est plus... Le niveau intellectuel. Voilà. Pas le niveau intellectuel, mais en fait, je veux dire quoi des gens qui vous aiment parce que vous êtes comme ça, en fait. Voilà, parce que vous êtes comme vous êtes, en fait. C'est ça, en fait, l'amour pur à l'état brut. Voilà, c'est pas l'amour synthétique, là, non. Ah, d'accord. Alors, aujourd'hui, Caitlyn Jenner, le père des Kardashians, dit regretter de vivre dans la peau d'une femme. N'avez-vous pas peur de retrouver dans la même situation? Écoutez, Caitlyn Jenner, il a fait tout ce qu'il voulait faire. D'accord. Et il est fatigué, il a regretté. Donc, moi, je me laisse aller. Je me laisse aller en fonction de mes envies. Et, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Caitlyn Jenner peut refuser son résultat, mais moi, je peux accepter mon résultat. Ça n'a rien à voir. D'accord. Est-ce que vous pensez à un chemin de retour? Est-ce que je pense à un chemin de retour? Oui. Aujourd'hui, vous êtes devenue femme. Est-ce qu'un jour, vous pensez de redevenir homme? Là, je ne sais pas. Parce que là, je suis... Comme je vous le dis, là, franchement, je suis à fond. Parce que l'entretien... Je vous dis qu'on ne prend pas de produits, mais l'entretien dépasse les produits que vous allez utiliser. Par exemple, vous pouvez avoir un produit de transition peut-être à 200 000 francs, à 300 000 francs, mais l'entretien coûte plus cher que la transition. Avez-vous eu recours à la chirurgie? Non, pas du tout. Pas encore? Pas du tout. D'accord. Alors, les Abidjanais demandent, est-ce que vous avez des enfants? Non. Est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants? Je ne sais pas. D'accord. Ah, voilà qui est clair. Pas Daisy Bozio qui ne sait pas encore si elle a envie d'avoir des enfants.